I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, bonjour ou bonsoir, vous écoutez le Wrestle Rock Podcast saison 4. Mon nom est Johnny D. Je suis en co-animation avec mon partner de toujours, Benoît Laferrière, qui est Nostradamus. Comment ça va, mon Ben? Ça va très bien. Je vois que tu t'es rasé un peu. Moi, j'ai oublié de me raser, je pense. Yes. J'ai pas eu le temps, matin. C'est pas grave. Hein? Pour le Movember, on garde la barbe, c'est correct. Hein? Ouais. Hey, on pouvait pas passer sous radar le week-end dernier du Survivor Series, honnêtement. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Puis on voulait en discuter puis prendre quelques minutes pour en jaser, toi et moi, mais aussi pour partager de l'information à nos Wrestle Rock Stars. Alors, vas-y, mon ami! Ben, pour commencer, le premier combat, c'était je partais pour dire l'Elimination Chamber, c'est pas ça, le War Games féminin. Yes. Qui impliquait, on va dire, Bianca Belair, Charlotte Flair, Shotzi, Becky Lynch, yes, qui ont battu le Damage Control, Bayley, Asuka, Io Sky et Kairi Sane. Yes, comment tu as trouvé le combat, toi? Ouais, moi je mettrais, un 7 sur 10. Ouais, puis c'était quand même bon. Par contre, il y avait vraiment des longueurs. C'était un match de quasiment 35 à 40 minutes avec les entrées. Ça me faisait 45 minutes. Ah, ça a été long. Là, j'étais 45. Ouais, ça a été long, terrible. Il y a eu des bons spots, par exemple. Là, je me souviens de la poubelle. Pas la poubelle. Non. Ouais, le dive d'une des Japonaises, je ne me souviens pas de son nom. Je ne sais pas, Kairi Sane, c'est l'autre. Là. Io Sky. Il y a eu le moonsault aussi de Charlotte Flair, qui était vraiment très nice. Puis ça a quand même débuté l'événement en force, les amis. Là, un wargame là, féminin en partie de jeu, ça c'est excellent. Par la suite, dans le fond, on a assisté à un combat assez solide entre le champion intercontinental Gunther, qui a défendu son titre face à The Miz. La victoire de Gunther. C'est sûr qu'il y a bien du monde qui pensait que Miz allait remporter son 9e championnat intercontinental pour égaler le record à Jericho. Yes. Mais non, ça ne s'est pas passé en fin de semaine. Qui sait, ça va peut-être se passer un jour. Peut-être à Raw à soir. Oui, ou Royal Rumble ou à WrestleMania, on ne sait jamais. Par contre, une fois de plus, on ne se cachera pas pour le dire. Gunther nous a livré une performance incroyable. C'était stiff. Ah, c'était excellent. Ensuite de ça, à la base, était cédulé Carlito contre Santo Escobar. Et puis, finalement, suite à la fameuse storyline là, qu'on a vue dans les dernières semaines... Blesse tout le monde. Il a blessé Mysterio. Il avait blessé Mysterio. Mais en fait, c'est un work parce que Mysterio devait avoir une opération au genou là, récemment. On fait des photos sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Ça s'est bien passé, en fait, pour l'opération. Et ensuite de ça, on a eu... Mais le remplaçant a été Dragon Lee. Puis on s'attendait vraiment à ce que Dragon Lee livre la marchandise. Puis entre tout et moi, ça a quasiment été un squash. Il n'a rien fait. Il a fait son dive, mais. C'est tout. Tu sais, tu t'attends à un match 9 sur 10. Puis moi, tout ce que je peux donner, c'est 6 sur 10. Là. Puis tu trouves-tu que Santo Escobar fait penser un petit peu à Miro? Il a passé à l'extérieur du ring. Je sais pas, peut-être que le gars filait pas. Oui, puis par la suite, dans le fond, notre ami Rhea Ripley a défendu son titre féminin face à Zoe Stark. Moi, personnellement, je connaissais pas beaucoup Zoe Stark, puis honnêtement, la marchandise chez Wrestle Rockstar. Un combat, un des meilleurs combats de la soirée, on se le cache pas. Des singles, c'est pas mal le meilleur. Oui, tout à fait. Puis, un bon combat, ils nous ont livré un bon gros 10 minutes, bien intense. Et puis, Rhea Ripley a conservé son titre face à Zoe Stark dans un pin 1-2-3. Un single match, très beau, un beau maquillage à la Marilyn Manson.
Oui, puis ça faisait penser aussi un petit peu à la défunte Luna Vachon, ouais. Hein, avec les cheveux un peu de côté, puis les espèces de veines là, tracées sur le visage. Là, c'était quand même excellent. Puis par la suite, il y a eu la finale. Mais avant, ton père a fait une joke, parce que je trouvais que l'alliance de Triple H en conférence de presse, elle avait pas la même couleur, puis il m'a dit ça doit être le bout de boucle d'oreille là, qu'ils ont trouvé à terre, parce qu'elle avait perdu son bout de boucle d'oreille, puis Triple H a mis ça. Son doigt, mais... Non, je sais, c'est une blague qu'il faisait. Yes! Et puis, on a eu la chance d'avoir un énorme combo War Game de plus de 35 minutes qui mettait aux pauses Cody Rhodes, Seth Rollins, Randy Couture qui a fait son... Orton, je me trompe tout le temps. Randy Orton qui a fait son retour après une opération assez importante. Est-ce que tu vas en parler? Toi, tu es un peu plus au courant. Ouais, dans ce que j'ai cru comprendre, c'était une opération du dos. C'est une opération à colonne vertébrale. Là. Peut-être okay. Au même titre que... Je sais pas si je pourrais dire au même titre qu'Armand Rougeau ou ben Dynamite Kid. Là. Ça ressemble à une veine. C'est une vertèbre qui a été soudée. Okay. Ça ressemble à ça pas mal. Okay. Et puis, vous le marquez dans les commentaires. Il y avait Sami Zayn, Finn Balor, Dominic Mysterio, Drew McIntyre, qu'on va parler tantôt. Et puis... JD McDonough. Ça s'est passé quand même relativement bien. Il y a eu beaucoup de bonnes shots. Là. Ça a brassé pas mal. Pendant. Qu'est-ce que t'as aimé de ce combat-là, toi, mon ouais, gars? J'aime McDonough. Ouais. Non, mais l'ancienne chef du NP2, il avait fait une joke là-dessus. Alexa McDonough, l'avait gâté chef du NP2 à l'époque. C'était pas une blague là-dessus. Mais ouais, ce que j'ai pensé, bro, c'était quand que ça a été l'entrée de Randy Orton, là, la standing ovation. Ah ouais, c'était incroyable, honnêtement. On l'attendait, là. Puis c'était évident qu'elle est rentrée dernier. Yes! Dans le chambon. Et... Ouais, je me mets tout le temps dans le War Games. Yes! Et puis, qui a remporté le combat? Ben, c'est les faces. En réalité, Cody. Belle marque de respect de Randy Orton. Il fait le cutter à McDonald's. Ouais. Tu sais, le sac en bas, puis le fameux cutter. Ben, le RKO. Il a laissé Cody Rhodes faire le pin. Ouais, le crossroads. Ouais, c'est quand même très, très cool. Mettre au vent Cody Rhodes. Ouais, c'est ça, exactement, parce que j'imagine que Cody va avoir un match assez important là, pour Royal Rumble et probablement pour WrestleMania. Mais aussi, juste avant l'entrée d'Orton, est-ce que tu te souviens de Rhea Ripley qui est arrivé avec la mallette de M. Damien Priest? On s'attendait que Damien Priest allait peut-être cacher, mais non, la fameuse stun de Randy Orton. Est parti, puis là, ouais. Ben, de toute façon, là, ouais, il y avait rien à cacher. Ouais, mais là, Seth Rollins, on m'a dit que t'es en carte, il aurait pas arrivé, puis... Tu peux le mettre en jeu n'importe quand. Il peut être en train de manger au McDo, puis se faire battre. Non, mais c'est le même. Tu peux cacher. McDonald's. Ouais, c'est ça. Non, mais tu peux... Oui, il y avait comme... En tout cas, c'était pas le meilleur temps, disons, pour ça. Bon, ben, je me répète, mais le meilleur spot, c'est vraiment le cutter, genre... Quand que. Ben, le RKO, c'est qui le pitch allait en bas du. Ben, la gang de face, ils l'ont pogné, ils l'ont pitché en bas de le. Le pognant RKO. Il l'a très bien pogné parce que le moindre faux pas, tu peux tuer le gars, tu peux y casser. Oui, tout à fait. Orton est un vétéran. Yes. Le fils du grand cowboy Bob Orton, légende des années 80, avec son fameux plout. Yes. Et puis, comme je viens de dire, cher Russell Rockstar, ben. Les Faces ont remporté la victoire. Et puis, juste les Faces ont festoyé, bras dans les airs. On a vu le fameux copyright. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin, mon ami? Look in my eyes, what do you see? The cult of personality. Donc, CM Punk a fait son retour à la WWE après 10 ans d'absence. Ouais, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était au Royal Rumble 2014, ouais, qui était en action, j'entends. Grosse surprise là, pour les fans de lutte, honnêtement. La façon dont ça a été fait, personne ne s'en attendait parce qu'il n'y a eu aucune échappatoire à l'interne de la WWE. Ni ses réseaux sociaux. Puis sur les médias sociaux. Puis en plus de ça, ben, ça a été fait complètement à la fin. Fait que là, tout le monde pensait que le show était terminé. Puis finalement, pouf, ils ont parti à la toune à Punk. Punk est rentré. Mais ils ont comme coupé. On sait pas si Punk a fait un speech à la fin, j'imagine. Apparemment que Seth Rollins a fait une promo parce qu'il est pas à l'idée que Punk revienne. Non, il était en tabarnak. Ouais, puis McIntyre et tout, que tu voulais parler. Ben, McIntyre, ce qui est arrivé, ce que j'ai su par les proches de McIntyre, ça a l'air que
Il est parti fâché, ouais. Puis il y aurait une raison. Parce que là, McIntyre finit son contrat 2024. Ouais, ben, bientôt. Puis il n'y aurait pas nécessairement digéré là, que Punk revienne dans le décor. Puis je comprends un peu parce que... En bon québécois, c'était un brosse une marde. Excusez-moi l'expression, oui, les amis. Oui, oui, il y a ça aussi. C'est mais censurer, c'était là. Peut-être l'année à Drew McIntyre avec Roman Reigns ou je ne sais pas trop. Y avait-tu des plans? Peut-être. Ou pour la Wally Heavyweight. Pas nécessairement que ça soit pour la WWE. Non. C'est peut-être pour la Wally Heavyweight. Oui, c'est ça, la Wally Heavyweight. La Wally Heavyweight. Yes. Mais tout ça pour dire que ce soir, là, à entendre le monde sur les réseaux sociaux, c'est le roi du siècle ce soir, là. C'est plus c'est important que la visite du pape au Colisée de Québec dans les années 80. La colombe est partie en voyage. Hey, c'était au stade olympique, mon épée. Ben oui, je sais, c'était pas voir si tu le savais. Oui, puis c'est ça, dans le fond, j'imagine qu'il va y avoir énormément de codes d'écoute. Tu sais, on peut en vouloir, ou parlez-en en bien ou en mal de CM Punk, mais c'est un moneymaker, tu sais. Il va y avoir des views, là, à soir, là, ça va... C'était le finish avec le cash? Oui, c'est ça. Ah là là! Alors... Je pense à ça, là... On a une anecdote à compter quand on est allé au New Jersey, on est allé aux États-Unis, ouais. Il y a à peu près 2 mois. Le fameux commanditaire officiel, c'était Slim Jim. Quand ouais. Tu parlais, tu as fait la conférence de presse. Ouais. Puis on a, je ne veux pas dénigrer Slim Jim, mais le bout de saucisse qu'on a pogné dans le dépanneur, c'était pas le meilleur. Ah, ça goûtait à mat, ça goûtait le Dr. Bellard. Là. C'était vraiment pas bon, là, honnêtement. Là. Non. C'était vraiment pas bon. Là. Puis... Il y a eu une conférence de presse. Tu voulais parler de la conférence de presse par la suite. Ben, Triple H est arrivé, a discuté, puis il a annoncé. Il y a eu un gros retour. On est vraiment content de R-Truth. Ouais, il y a ça, mais Marie, je sais pas si c'est son micro qui a fucked up. Il dit, c'est vous, c'est vous autres. C'est bon, ça. Ouais, c'était drôle. Et puis, il est humain, Triple H. Bon, le monde pense que c'est un gros ego parce que c'est le genre de McMahon. Il est humain, c'est un monsieur. Ouais, vraiment. Tu sais, il est capable, lui, là, il récompense l'effort. Voyez, là, depuis que c'est Triple H qui est dans le contrôle créatif, comment que les cartes se sont améliorées de la WWE. Là. Et je pèse mes mots. Ouais, ben on va le voir là, dans les prochaines semaines. Puis est-ce que tu te rends compte que... Ils ont donné carte blanche. Le groupe TKO a donné carte blanche à Triple H. Yes. Ils sont en train de tosser McMahon tranquillement. Là. Yes. Puis tu te rends compte que genre Jack Perry est un élément important pour faire en sorte que le Royal Rumble puis WrestleMania vont probablement être genre... des records d'assistance, puis genre... Ouais, mais Jack Perry, c'est quoi que t'as marqué? Il y a des rumeurs qui seraient doublées. Non, man, Jack Perry, c'est lui qui s'est chicané avec Punk, puis que Punk a crissé son camp. Ouais, mais là, il est suspendu indéfiniment à EW. Ouais. Toi, tu penses qu'il est peut-être parti? Il reviendra pas, man. Tu penses qu'il va être... Ben non, mais s'il serait pas chicané avec Jack Perry, là, il serait encore à EW. Ben là, c'est sans compter s'il n'aurait pas fait une autre niaiserie. Là. Ben, c'est ça, mais... C'est pour ça que je disais ça, dans le fond. C'est un bruiser brodé à sa manière, là. Exact. Brosser de la merde. Mais des fois, je me dis, tu sais, moi, je pense que tout le monde travaille ensemble. On en a déjà parlé. Ouais, on en parlait il y a 2 ans. Tu sais, c'est toutes des compagnies qui se parlent, nanana. Puis, tu sais, moi, j'ai une théorie là-dessus, là. Tu sais, le fameux Masked Man de l'AEW. Puis, Uncle Odie, man. Moi, je te dis, man, c'est... CM Punk. Dis pas de niaiserie. Des peuples qui te fassent poursuivre pour libelle, Colin, si tu dis des affaires de main. Ils vont te prendre pour un fou. Mais c'est peut-être vrai, remarque. Remarque, on est deux fous. On est deux fous qui animent des podcasts. Non, c'est sûr. Pour remonter au New Jersey comme on l'a fait, il faut y croire au podcast. Yes. Et puis, on va avoir des super de beaux invités. Là. On garde. On super teste de ça, beaux là. Invités. C'est comme, comme si les autres étaient lettres. Mais non, blague à part, on devrait avoir. Au moins deux prochains invités qui vont être vraiment excellents. On tait les noms. Sachez, chers amateurs, n'oubliez pas de nous suivre sur YouTube, Facebook, Twitter. On est partout sur les médias sociaux. Écoutez notre émission sur Tony Atlas, Mr. USA. Une excellente entrevue, d'ailleurs, avec The American Native Tatanka aussi, qui était excellent. Chris Chavis, qui a pris quelques minutes de son temps avec nous. Et le WWE Hall of Famer, Surgeon Slaughter, qui a affronté nul autre que Hulk Hogan à WrestleMania 7. On a pu passer un bon moment avec Sarge. Et puis, c'était vraiment génial. Donc, si vous voulez visionner ça en rappel, c'est disponible sur YouTube, mes amis. Ceux qui disent que l'entrevue n'est pas longue avec Sergent Sauter, prenez pour acquis qu'on l'avait juste pour 15 minutes, le monsieur.
il était pressé, il fallait qu'il parle. Ouais, c'est ça. On a essayé de dealer de quoi avec son manager, son ouais, gérant. C'est ça, puis il est très, très occupé. Là. Il est très, très occupé, puis on est vraiment content de l'avoir eu pendant un petit moment. Et puis, il est plus jeune non plus, le monsieur. Là. 75 ans. C'est encore en chute. Tu sais, on est vraiment choyé d'avoir pu lui en parler. Mais l'éventeur de WrestleMania, c'est pas rien. Il s'est battu contre Hogan, Warrior, Macho Man. Yes, on a eu aussi Todd Gordon récemment, ancien fondateur de la CW, Eastern Championship Wrestling, avant qu'elle se transforme en Extreme Championship Wrestling. On discute un peu avec M. Gordon concernant son historique, son nouveau livre, Todd is God, qui est sorti oui. récemment. Et puis, il y a aussi Mike Modus, qu'on a eu récemment, qui nous a fait un cadeau. Il y a une partie sensible quand il parle de Brian Hung, décédé accidentellement à cause d'un flapjack manqué du Great Khali. Yes. Et on a eu aussi, comment il s'appelle déjà? J'ai un blanc. Brian Malonis. Brian Malonis, ancien champion par équipe de la Ring of Honor, qui a lutté à la Chaotic Wrestling et qui a eu un statement avec Vince McMahon et John Cena lors d'un événement de la Chaotic Wrestling. Ouais, ils se connaissent, c'est sûr. Là. Yes. John Cena. Yes! D'ailleurs, c'est une affaire qu'on n'est peut-être pas supposé dire, mais sachez que... Savez-vous qui c'est qui nous suit sur Twitter? C'est le Doctor of Togonomics, M. Yes. John Cena. John Cena qui nous suit sur les médias sociaux. 14 millions d'abonnés, M. Cena. Yes! Alors, on est vraiment contents. On a une belle notoriété qui s'en vient. On continue de travailler extrêmement fort pour faire parler. Puis, je pense que ça fonctionne bien. Petit train va loin, comme on dit. Alors, c'est ici que se termine notre émission spéciale sur la rétrospective de Survivor Series War Game 2023. J'espère que vous l'avez apprécié. Ça risque de brasser à Raw ce soir, donc lâchez pas, chers amis. Toujours un plaisir de faire cette émission-là avec toi, mon Ben! Et moi donc, c'est ça, manquez pas Raw ce soir, c'est le Raw du siècle, là, qu'on peut quasiment dire, yes. Pour certains en tout cas. Alors, sachez que, on va dire que, pas juste à Raw, mais dans les prochaines émissions, l'action ne manquera pas. Au revoir!